Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui nous allons tester ensemble et découvrir surtout ce jeu qui s'appelle Ark Survival Ascended. Alors un jeu dont j'ai vu à plusieurs reprises, plusieurs fois, là où je récupère mes jeux, je l'ai vu à plusieurs reprises, j'ai dit « Ah, faudrait que je le voie, faudrait que je le récupère, etc. » Il était même en téléchargement sur le PSN, il fut un temps. J'ai jamais eu l'occasion de le prendre ni de le tester et j'ai dit « Ben pourquoi pas ?» le tester et le découvrir ensemble. Je vais vous lire le pitch super rapidement. Ark est entièrement repensé pour cette nouvelle génération de technologies de jeux vidéo avec, avec le Unreal Engine 5, j'ai du mal. Former une tribu, apprivoiser et élever des centaines de dinosaures et créatures primitives uniques. Entre exploration, création, construction et affrontement, frayez-vous un chemin jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire. Un nouveau monde vous attend. Ok, eh ben, on va découvrir ensemble ce petit jeu. Donc nous avons alors en haut la touche, le pavé tactile, excusez-moi. Paramètres, crédit, retour. Alors paramètres, qu'est-ce qu'on a? Audio, vue... Avancer, attendez, audio. Ah oui, pardon, il y a des sous-menus dans les sous-menus. Ouh là là, compliqué. Il y a 500 milliards de paramètres. J'exagère un petit peu, peut-être, non? Ouais, un petit peu. Ok. Caméra. Avancer de la bonne space. Ah, c'est un jeu qui se joue en ligne. Ok, a priori, je dirais bien, a priori. Manette, bon, ok. Ben, on va découvrir tout ça. Presse pour commencer. Les grandes histoires de Bob. Créer un jeu, liste des modes. Oula, qu'est-ce que c'est? Rejoins une partie. Mais c'est un truc en ligne ou quoi? Les grandes histoires de Bob. Spin-off mode survie. Rejoins une partie. Spin-off mode survie. En fait, je sais pas où je suis, hein, pour tout vous dire. Créer un jeu. Facile. Je suis un petit peu perdu, je vous cache pas. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une histoire. On dirait que c'est un jeu multijoueur. On peut jouer à 2 et jusqu'à 70 joueurs en réseau. Ok. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Bon, je sais pas ce que c'est. Celui-ci est le type de jeu pour créer en solo. Je vous cache pas que je suis un petit peu perdu. Ah, dis donc! Eh, c'est moi ça! Dis donc, modèle de carrosserie. Je suis plus dans ce gabarit-là, moi. Oh, plutôt comme ça. Plutôt gaulé comme ça. Je suis plus un peu comme ça. Mais en grand. Bref, allez, on va créer... On s'en fout. Are you the one I've been waiting for? You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, survivor. You may be the only one who can. Ok, donc c'est à moi, Alors déjà il y a des déchirements d'images. Alors vous le voyez peut-être pas, mais ça manque un tout petit peu de, je trouve que ça manque un tout petit peu de fluidité dans la rotation. Alors qu'est-ce que je dois faire là? Tac, tac, tac. Alors j'appuie sur les touches qui sont en bas, hein, mais je sais pas ce que c'est. L1. Ouais, ben je sais pas du tout ce qu'il faut faire.
Ah, j'ai la sensation que là, en fait, il faut. Ce serait des cases dans lesquelles on pourrait mettre des sortes de raccourcis. Alors, visuellement, putain, c'est perturbant parce que. Vous voyez les ombres là au sol? C'est. Bon, bref, on va voir. On va pas être trop critique avec. Ah, tiens, il y a des trucs là à explorer. Now, Jane, before you get all wound up about me spending time with some castaway girl, ouais, super. Let me just say, ah, en plus, you've il parle. Nothing to worry about. Ah, oui, d'accord, il parle. It's more like when your folks used to make us take your know-it-all kid sister along with us every day. Donc j'appuie sur triangle là, a real pain in the ass. Il récupère. She just washed up on my beach, and boy, does it show. Doubt the girl would last half a day. Il récupère des trucs au sol. She's too damn soft. The very first time I saw Est-ce qu'il va me tuer lui? Some squab, je dirais qu'il pourrait me suddenly tuer. I've got some brat lecturing me about how her precious new pet's the last of its kind. Wants c'est me bien to take chez her vous. Seriously, like she's some kind of expert. Il y a énormément de clipping. Hein. Those fat little oh, birds putain, are all over the place here. I haven't even told you the Alors le clipping pour ceux qui savent pas ce que c'est, je baisse le son de monsieur qui parle parce qu'il est un peu casse-pied. Le clipping, c'est en fait les textures qui apparaissent petit à petit quoi. Vous voyez des textures qui apparaissent. On est sur la PS5 les gars, on n'est pas sur la PS2 ou la PS3 quand même. Whole 9 yards. But maybe I shouldn't have rushed her. She's been just staring at all of it. Long enough for me to take a picture. Alors honnêtement, je dois avouer que je ne sais pas du tout où je dois aller. Je vois qu'il y a deux flèches en bas à droite, là, avec 512. Je suppose que c'est la distance à laquelle je dois aller. Mais il n'y a pas de map. Ils auraient pu mettre une map. Je suis un peu dans... Ah d'accord, ok, pour courir, c'est pas compliqué. Ah, ouais, c'est simple. En fait, j'appuie sur la touche L3. Là, j'avance. J'appuie, hein, je dirige. Et je mets un clic sur L3 et j'enclenche le mode course. Je ne suis pas obligé de garder appuyé sur la touche L3 pour courir. Je rappuie sur L3, je reviens en mode marche. Je cours, je marche. Jour, nuit. Bon, bref. Donc ça, je mets des mandales à gauche, à droite. Là, je peux viser, mais j'ai rien à y envoyer. Ah voilà, là j'ai des trucs. Qu'est-ce que c'est? Ah, pourquoi tu me tapes? Ça me c'est tranquille, oui. Ça sent le jeu où il faut être en mouvement perpétuel, quoi. Si tu vas en mouvement, tu meurs. Ah ouais, le mec il court dans l'eau, quoi. C'est un Jedi, vous avez chaud. Réfraîchissez-vous rapidement. Je dois vous avouer que je sais pas du tout ce que je dois faire. Hein. Et une grosse bébête. Bah, c'est un ninja le mec. Oh. Et oh Naruto, tu te dépêches? Bah c'est dégueu. Le chaud, rafraîchissez-vous rapidement. Ben c'est fait, je me suis rafraîchi là. Bon, j'ai l'impression que je suis à 392 mètres de là où je dois aller. Je sais pas si c'est la bonne chose que je fais, mais je sais pas. Voyons voir, attendez. Comment on fait la map J'ai l'impression que. Ah non, mais ça continue, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. En fait. D'accord, je voyais, je crois que c'est des points, moi, des distances. Non, ben non, il se passe rien, là. Ouais, je dirais qu'il faut aller par là. Je suis pas sûr, mais franchement, c'est pas clair du tout, quoi. Il pourrait me donner des informations supplémentaires pour me dire ce que je dois faire. Parce que là, il me lâche un peu dans la nature, le jeu. Il est bien gentil, mais... Bon, par contre, la végétation est luxuriante. Il y a beaucoup de choses. C'est plutôt joli. J'ai l'impression qu'il y a une bête derrière. Hein. Je veux pas être désagréable, mais j'ai l'impression qu'il y a une bête derrière. Oui, il y avait une bête. Une bête. Une autre bête. Va falloir courir, monsieur. Allez, cours.
Et surtout, ne t'arrête pas. Par contre, il a l'air de s'épuiser, jamais. Cet homme est un super guerrier de l'espace. Entre Naruto et Sangoku, il y a quand même beaucoup de bébêtes. Hein. Ok. Alors, attendez, je regarde juste sur la map où je suis. Hop, je dirais qu'il faut aller... Je sais pas, hein, je vais suivre direction joueur, hein, parce que je sais pas du tout si je dois aller là. Ça me semblerait pas forcément bête. Mais je dirais que c'est pas impossible qu'il faille aller par là. Ah ouais, le mec, il grimpe de partout, quoi. Ah non, pas de partout. Il est un peu limité dans la grimpette. Ouais, ok. Ok. Si c'est ça, l'Unreal Engine 5, c'est mignon. Voilà, on va dire que c'est mignon. Est-ce qu'il saute ? Ouais, il peut sauter. Ouais, saute, Michel. Map. Bon, je suis dans la direction de joueur, mais je sais pas si c'est là que je dois aller. Je dirais que pour le moment, ça me semble pas forcément stupide d'aller par là. Peut-être que je fais des trucs stupides, ce qui est pas impossible en soi non plus, hein. Oh, bonjour monsieur. Vous avez grand bec, vous. Ah, là, je suis cerné, là. Chérie, ça va couper. Ok. Ben oui, ça va, on y arrive. Map. Pour moi, je suis sur le bon chemin. C'est pas mal. Oh. Hey. Oh. Je sais pas du tout où je dois aller, hein. Bon, je comprends mieux pourquoi la première fois je l'ai pas fait, hein, parce que franchement ça donne pas forcément. Vous avez froid, réchauffez-vous. Ouais, je sais. Déjà, il y a lui qui m'embête. Dégage. Ok. Je vais dire qu'on va dire qu'il faut aller par là. Et encore, je suis pas vraiment convaincu, hein. Bonjour. Bon, je suis très poste de joueur. J'espère que je vais au bon endroit parce que je me suis tapé je sais pas combien de mètres, peut-être pour rien, hein, potentiellement. Bonjour. Ah mais laisse-moi tranquille. Oh mais sale bête. Mais laisse-moi tranquille, je t'ai dit, tu vois bien que je suis en train de mourir. L'agressivité des dinosaures, quoi. Ok, réapparaître, mais je sais pas du tout ce que je ne sais pas. Ah non. Bah non, me dis pas que je reviens sur la plage. Oh putain. Dernier décès. À 1,8 km. Oh bah non. Mais en fait, tenir pour plus d'informations. Dino Group, activer les noms des créatures, afficher la TH. Ah non, je vais afficher la TH. Oh, bonjour, petit oiseau. Si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Activer la caméra orbitale. Oh là, 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 caméra orbitale, tu me fais mal à la tête. Activer la vue à troisième personne. Ah, oh, on peut jouer en mode FPS pour ceux qui aiment ça. Donc pourquoi pas. Je vais évidemment désactiver la vue, ça, parce que je déteste les FPS. Le HUD étendu. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'extensions. Et en fait, je ne sais pas ce que je dois faire, c'est terrible. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, c'est affreux. Hein. Dernier décès. Ouais, mais j'ai pas envie de retourner là où je suis décédé, en fait, pour tout vous dire. Hein. Oh, une poule! Et j'en fais quoi? J'ai tué une bestiasse. C'est, je suis super content. Et j'en fais quoi en fait de cette bête? Si je m'approche, je me dis quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Votre spécimen implant, sélection. Bon, bah c'est cool. Qu'est-ce que je fais avec ça? Diviser en un seul, diviser de moitié.
divisé de moitié. Je sais pas du tout ce que je fais, les gars. Je suis à l'ouest. Produit de beauté. Oh, je voudrais me faire un produit de beauté. Pas Braya. Je sais pas ce que je dois faire. Ah, d'accord. Il faut que je me... D'accord, ok, ça y est. Il faut que je prenne de la pierre, des branchages. Et je vais pouvoir créer très certainement une pioche en pierre. Il me faut du bois, de la pierre et des branchages. Mais j'en ai de la pierre, non? Attendez. On va se calmer, hein, on va pas s'énerver. J'ai dit. Alors, comment je fais pour accéder déjà à ce menu-là? Oh là, c'est infernal. C'est pas du tout pratique, hein. Je veux pas être désagréable, mais c'est pas vraiment évident, hein. Accéder à l'inventaire. Donc, des cailloux, j'en ai des pierres. C'est des pierres, ça? Oui, pierres. Divisé de moitié, de moitié, de moitié, de moitié, de moitié, de moitié. Je divise toutes les pierres. Ok. Est-ce que je peux faire des trucs, là? Des pierres, j'en ai 16. Ok. Il me faut du bois et des branchages, maintenant. Du bois. C'est une sorte de... Comment ça s'appelle ça? Des jeux de crafting, je crois, si j'ai des points de maîtrise. Est-ce que c'est du bois? Est-ce que je vais trouver où du bois et des branchages là-dedans? En fait, je sais même pas si je le fais dans le bon ordre. Hein. Où est-ce que je vais pouvoir trouver des bois et branchages? C'est pas évident. Hein. Parce que du bois, il y en a un peu de partout. Du bois, il y en a un peu de partout. Alors, attends. J'ai envie de dire que si je fais ça... Comment je fais pour accéder... L'inventaire, je suis obligé de me taper un truc, là? En fait, pour accéder à l'inventaire, je suis obligé de tuer un animal, quoi. C'est plutôt cool. Bois et branchage. Ben, on va diviser de moitié. On va diviser de moitié. Est-ce que ce sera suffisant d'après vous? Bois et branchage. Hop. Tu vois là, je peux pas accéder à l'inventaire si je suis pas devant l'animal. Parce que pour accéder à l'inventaire, il faut appuyer sur triangle. Tu vois, il me demande de traîner le corps, maintenez option. Et là, je suis dans l'inventaire. Ok, c'est pourquoi pas. C'est pas forcément évident. Non, c'est pas. Alors j'ai du bois, mais c'est pas du bois. J'ai du bois, mais c'est pas du bois. On est d'accord ou pas? J'ai du bois, mais c'est pas du bois. Sélection. Et est-ce que je peux le mettre là? En fait, je sais pas ce que je fais. Je n'y comprends rien. Hello. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Micheline? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la merde. Quand tu comprends rien, je dois avouer que tu es un peu en PLS. Hein. Ce sont des fibres, c'est pas des branches, ce sont des fibres. Des fibres, c'est le genre de truc qui fait faire caca. Voilà. Oh, il y a un robot. Bonjour, petit robot. Tu vas vouloir m'aider ou pas? Je dirais que oui. Bah ouais, je veux bien, mais... Tenir pour montrer plus. La localisation est dégueulasse. Là, il te fait la traduction en français « Hold to show less ». Je fais donc... Et là, tenir pour montrer plus. Franchement, ils se sont pas foulés au niveau de la localisation. Oh, mon Dieu. Ça, c'est le genre de jeu, tu te dis, mais il est pas fini, ce jeu, c'est pas possible. Alors, rebranchage. Où c'est que je vais trouver des branches? À moins qu'il faille que je fabrique... Attends, est-ce que je pourrais... Pff, putain, c'est galère. Bonjour. Est-ce que tu vas vouloir me faire du mal? Ah bah, j'ai pu lui mettre des coups de mandale, hein. Ça va pas... Tiens, je vais te choper la gueule. Tiens, tu vois. Je chope que des pierres, en fait. Ah, c'est quoi, ça?
Des pierres. Ah, peut-être des trucs intéressants. Ouais, tu vois, là, je sais même pas comment faire pour accéder à l'inventaire, en fait. C'est nul. Inventaire, je peux pas y accéder. Mais arrête de cueillir des cailloux, toi. Mais tu vas fermer ta gueule. C'est affreux. C'est affreux. Les compréhensions de ce jeu, quoi. Je fais comment pour accéder à mon inventaire, là, si je veux y aller? Voilà, là, typiquement, je vais aller à mon inventaire. Je fais comment? Tout à l'heure, le seul moyen que j'ai trouvé d'accéder à l'inventaire, c'est de choper un animal, de le déglinguer. Voilà, donc, pour accéder à mon inventaire, il faut que je devienne un serial killer. C'est un peu ça, l'idée, on est d'accord, hein? En tout cas, ça y ressemble. Ah, ben, il est tout sec, non? Je suis en train de choper de ces bestioles. Je suis désolé, je capte rien au jeu. Moi, je peux même pas. Je voudrais voir mon inventaire qui est. Attends. Manette. Triangle. Inventaire. Oui, mais c'est ce que je fais en fait depuis tout à l'heure. J'appuie sur. Ah d'accord, ok, faut lâcher. Ah, du bois, j'ai du bois, j'ai du bois. J'ai du bois les gars. Je vais pouvoir faire je sais pas quoi, mais je vais pouvoir faire des trucs. Ah ben je peux fabriquer maintenant, fabriquer. Fabriquer. Yes. Bon, je suis un peu nu, mais il faudrait que je m'habille, non? C'est quoi ça? Pierre torche. Ah, il me faudrait du silex. Alors, le silex, où ça se trouve? Tu vois, ce qu'il pourrait te dire, par exemple, ce qui serait bien, c'est qu'ils te disent, par exemple, où trouver du silex. Et de te faire une vraie localisation, de ne pas te mettre de l'anglais, du français, de tout mélanger, quoi. Bon, putain, c'est... Je vais être méchant, je suis désolé, j'ai l'impression qu'il est bâclé le jeu. J'ai l'impression qu'il est bâclé. Il y a de l'anglais, il y a du français. Ou tu fais l'anglais ou tu fais du français, hein, mais tu fais pas les deux. Hein. Alors, du silex. Où est-ce que je peux trouver du silex? J'ai de la pierre, j'ai plein de trucs super sympas. Allez, attends, en inventaire, qu'est-ce que j'ai? J'ai des schémas, j'ai vu que j'avais des schémas. C'est quoi ça? Il me faut du branchage. Créez votre propre texte ou une note et utilisez une marmite pour créer une recette personnalisée. Et là, il te le fait en anglais. Voilà, là, il te le fait en français. Super. Bon, par contre, si je... Admettons. Je vais dans mon inventaire. J'ai donc une pioche. Je voudrais me l'équiper. Équiper, R2. Voilà. Et avec cette pioche, est-ce que je ne pourrais pas casser des trucs? Je sais pas ce que je cache, mais je casse des trucs. Alors, le concept du jeu survivaliste, c'est le bon terme? Pourquoi pas? Je peux fabriquer aussi. Je peux en fabriquer. Ok. Et donc là, grâce à ça, je vais pouvoir très certainement... Est-ce que je pourrais... Ah, je peux pas. Par contre, j'ai mon silex à la main, je peux pas courir. Ah, je suis en train. Ah, parce que je suis en train de fabriquer des trucs là. En bas, on voit que je suis en train. Voilà. Nage, Forest, nage. Waouh. Qu'est-ce que tu es sexy quand tu nages. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef. Ah, maintenant, on va moins rigoler. Tu vois, je vais te déglinguer ta tête. Toi, tu vas souffrir pour les autres. Voilà, est-ce que je peux en faire des trucs de lui? Voilà. Bon, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Si je prends maintenant... J'improvise, les amis. Je ne sais pas du tout ce que je fais avec ça. Équipé. Ah, il brûle. Ouais, mais il brûle, mais je peux rien en faire. Je peux même pas le bouffer, quoi. Parce qu'à la limite, j'aurais pu le bouffer, quoi. Comme dirait l'autre, bouffez-le, votre cochon, bouffez-le.
Ouais, moi je suis un pyromane, je mets le feu à la forêt. Non, c'est pas vrai, on rigole. Ah, ça c'est sec, peut-être que ça peut brûler. C'est... Ah si, je peux. J'ai de la viande. Viande crue, consommable. Ah ben, je vais consommer. Consommer. Mange de la viande crue ou avariée, votre santé baisse en conséquence. Ah merde, j'ai mangé de la viande crue avariée, c'est pas cool ça. Ok. Je me suis équipé donc de mon... Bon, je suis désolé là, les amis. Vous savez que moi, alors j'aime bien les jeux de survie, mais... Ouais, stylé. Et j'en fais quoi de ça maintenant? Ben pas grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas des noix de coco là-dessus? Et si je brûlais ça? Parce que moi, Oh, si, il se passe des trucs. Ah, mais il a disparu. Mon arbre a disparu, dis donc. Bon, ok. Ok. Donc, c'est vraiment de la survie pure. Donc, il va... Ouais, mais le problème, c'est que... Survivre, pourquoi pas? Mais avoir une idée, une quête, quelque chose à faire, c'est mieux. Moi, j'ai rien contre les jeux de survie, hein. Vous avez chaud, rafraîchissez-vous rapidement. Voilà. Vous avez froid, réchauffez-vous rapidement. Toi, prends-moi pour un saucisson. Et si je mettais juste les pieds dans l'eau? Ouh, j'ai les pieds dans l'eau. Coucou, les pieds dans l'eau. Je sais pas où je dois aller. C'est affreux, je sais pas où je dois aller. Je sais pas du tout où je dois aller et je sais pas du tout ce que je dois faire. Des jeux sans quête précise comme ça, c'est un peu casse-pied quoi. Je vous cache pas que voilà, je suis pas fan. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, jeu de survie, why not, comme dirait l'autre. Mais avec un but précis quoi. Là, en l'occurrence, j'ai aucun but précis. Je sais pas ce que je dois faire. Ou alors, je suis passé à côté du truc. Hein. Hé, oh, oh, petit oiseau. Tiens, vas-y, prends ça dans ta gueule. Et si je le brûle maintenant? Équipé. Voilà, tiens, brûle, petit oiseau. Est-ce que je peux manger des trucs qui... Je sais pas ce que je fais. J'ai un corps, j'en fais quoi? Je le bouffe? Tu veux que je fasse quoi avec ça? Complètement con, ce jeu. J'ai des œufs, j'ai des trucs. Est-ce que j'ai des trucs que je peux fabriquer? Non. Des produits de beauté. C'est quoi ça? Non, on va changer déjà de... Ouais, t'es coucou copain. Ah ben, t'es pas copain. T'es plus copain. Bon, vous avez compris que je suis pas du tout un adepte. Alors, je suis pas du tout... bon, je suis même mauvais. Ce qui m'embête, c'est qu'il me dit rien, quoi. Il me dit rien du tout. Rien. Sur la map, qu'est-ce que j'ai? J'ai un endroit où je suis décédé il y a quelques dizaines de mètres de ça. Et donc, j'en sais pas plus. Bon. Ben, on va sortir de là. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Ma pauvre Lucette. Est-ce que je peux faire... Attends, mais... Parce que moi, ce que j'aimais bien, j'avais testé un jeu de survie il y a quelques temps de ça, où justement, on te disait, tu prends... Tu as besoin de... Par exemple, tu as besoin d'un truc d'oxygène. Ah, pour faire d'oxygène, il faut que tu fabriques ça plus ça. Et grâce à ça, tu vas pouvoir accéder à un coffre. Pour accéder à ce coffre, il faut que tu trouves une clé. Pour trouver une clé, il faut que tu fabriques deux pierres. Avec ces deux pierres, tu vas pouvoir ça. Et à la fin, tac, 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 c'est QFD, quoi. Mais là, j'ai aucun but précis. C'est ça qui est un petit peu dommageable, tiens. Ta gueule, ta gueule, tu viens, bonsoir. Viens ici, viens, viens, viens.
Un peu sadique, non, Pépère? Après, je peux essayer de retourner là où je suis décédé, hein. On peut tenter. On peut tenter le retour. All to dismiss. Ok. Non, je vais le remettre. Pourquoi je l'ai effacé? Je voudrais le faire revenir, finalement. Oh, une grosse bête. Ou une petite bête. Ouh! Un serpent! C'est tellement sympathique. On va essayer de retourner à l'endroit où je suis décédé. Hein, ça, franchement, ça coûte pas grand-chose. Et si il se passe rien là où je suis décédé, c'est-à-dire là où il y avait écrit « joueur » tout à l'heure, hein, en l'occurrence. Maintenant, je suis armé. Là, on va moins rigoler. Là, il fait 29 degrés, il fait bon. Hein. Je regarde si je suis dans la bonne direction. Pas trop, c'est plutôt par là. La bonne direction, ce serait par là. Ouh, je vais mourir! Et je me suis suicidé littéralement. Bon. Est-ce que je peux revenir là, en fait? C'est jouable ou pas? Je comprends pas ce que je dois faire, c'est affreux. Réapparaître. Mais non, mais je veux pas réapparaître là. Non, me dis pas que je reviens au même endroit. J'ai l'impression d'être, tu sais, le jour de la marmotte. Le jour sans fin. Et j'imagine, évidemment, je perds tout mon inventaire. Évidemment, je vais me complètement déprimer. Parce que j'ai plus rien. Je n'ai rien. Je suis vide. Rien du tout. Putain. Oh non, c'est bon, ça m'a saoulé. Alors, je vais évidemment abandonner. Je vais laisser tomber. Je suis désolé, ne m'en veuillez pas. J'ai fait un test. Encore une fois, moi, je le répète encore une fois, je n'ai rien contre les jeux de survie. Je trouve ça même plutôt intéressant. Sous réserve, évidemment, qu'on sache un minimum ce qu'on doit faire. Qui a un but, une quête. Là, en fait, si ce n'est créer mes deux armes, c'est-à-dire ma pioche, là, mon piolet, et me créer, comment on appelle ça, une sorte de... Est-ce que je peux lutter, tu crois, contre... Non, je peux pas, je crois pas. Hein, je crois pas que je sois en état de lutter contre lui. Hein. Ah non, je suis pas en état. Donc, j'ai créé un piolet. J'ai créé un truc de feu. Mais ça s'arrête là, quoi. Et dans l'absolu, moi, je veux bien faire des trucs dans un jeu. J'ai aucun problème avec ça. Mais donne-moi un but. Donne-moi une indication. Dis-moi que je dois faire ceci, cela, pour pouvoir avancer dans mon histoire. Là, tu me donnes aucune information, donc sur le papier, je suis tout simplement bloqué. Si jamais, par exemple, il me disait, ben là, d'abord, il faut que tu crées ton piolet, ta pioche, pour pouvoir créer du feu et t'en sortir. Ben, je veux bien, mais je peux rien faire de tout ça. En fait, il me dit pas du tout ce que je dois faire. Et là, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. En tout cas, je trouve. Donc... ça aurait pu être, moi en tout cas, j'aurais pu trouver ça sympathique, sous réserve que j'ai un minimum d'infos. Et après, la réelle technique, je suis désolé, encore une fois, je le répète, il y a des déchirements d'images de partout. Les décors sont luxuriants, c'est plutôt joli. Par contre, enfin, vous le voyez, je sais pas si ça... Si, moi, je le vois clairement sur ma télé, l'image se déchire littéralement quand je fais de la rotation rapide. Voilà, le personnage, il y a des traits qui se déchirent, ça pixelise autour de son corps. Voilà, là je tourne, là j'ai une bouillie de pixels autour de son corps. J'ai l'impression d'être sur de la PS3, quoi. Et je suis un petit peu embêté quand le jeu me vend ça comme étant l'Unreal Engine 5, la tuerie monumentale, etc. Ben non, j'ai une incompréhension, une réalisation technique qui n'est pas forcément exceptionnelle. Et voilà, je vais me faire dégommer par un varan, histoire de finir en beauté.
Voilà. Ah, il a peur. Il est où? Mais cours! Cours lui après, espèce d'idiot! Ah, je suis blessé, donc je vais me soigner. Un dernier truc, on va se soigner une dernière fois. Je vais prendre des baies, parce que moi je vais consommer. Voilà, parce que moi je suis un grand consommateur de baies. En tout cas, tu as faim, hein, Michel. On sent que tu as faim. Je sais pas ce que je suis en train de bouffer, mais je le bouffe, hein. Bon, j'ai bouffé plein de trucs. C'était pas dégueu. Et je sens que j'ai peut-être un poil trop mangé parce que je me sens un peu lourd. Il est là, la bestiole. Je vais te finir. Je vais te finir, Michel. Il a peur. Il a peur. Voilà, je suis un peu mieux. Je suis un peu mieux, t'es sûr? Ouais, on est dans une grande forme, hein. Viens ici, viens te battre, viens. Ah non, mais viens te battre, je t'ai dit. Bah, viens te battre. Fais-moi mal, tue-moi, fais-moi du mal. Achève-moi, tu vois bien que je suis en souffrance. Bon, tu as morflé pour les autres, hein. Tiens, sale. Voilà, je suis mort. Oh, bah dis donc. Bon, on va se quitter là-dessus. Je suis passé complètement à côté du sujet. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Et c'est pitoyable pour moi. Parce que je suis absolument nudissime. Est-ce que je peux revenir un petit peu? Attendez. On va juste faire un truc. Avant de se quitter là-dessus, on va revenir. On va se déconnecter. Hop là. Rejoins une partie, créer ou reprendre le jeu et les grandes. Ouais, en fait, c'est. Voilà, bon. Bref. Les gens qui sont adeptes de ce type de jeu auront très certainement compris ce qu'il fallait faire. Moi qui suis absolument pas du tout un type qui est friand de ça, ben, je suis passé à côté du jeu très certainement. Donc je vais pas le critiquer, je vais juste parler de la réalisation technique qui pour moi est un petit peu décevante pour un truc qui est censé être vendu pour. De la next-gen, puisqu'on nous le vend pour un jeu qui est adapté à la next-gen, qui a été adapté et repensé pour. Je suis un petit peu déçu, mais pour le reste, voilà. Je ne vais pas critiquer le fond du jeu, puisque c'est très certainement moi qui suis passé à côté de la compréhension du sujet. Vous me direz dans les commentaires où j'ai rien compris, et ce en quoi je n'ai pas compris, comment je pourrais éventuellement y remédier. Bref, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus. En attendant, je vous souhaite à toutes une très très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure, mais pas sur ce jeu, ça c'est une certitude. À très bientôt, salut à tous.